La route du col du Plane, au départ du mont, au-dessus de Bécancour-en-Bauge. Et ben voilà, comme je me remets d'une bonne crève depuis bientôt 3 semaines, ben je me suis garé assez haut sur la route, pas loin du col du Plane. En moins de 5 minutes, on arrive au col du Plane et on va prendre direction les Garins, le Châtelard. Évidemment, on peut monter ici par le GR96 au départ du mont. Après 10 minutes, un quart d'heure de descente, ne pas prendre le GR qui part à droite en direction du Châtelard, mais continuer tout droit. Un peu plus haut, ça grimpe très sec d'un coup. Prendre franchement à gauche le sentier qui monte vers la crête. Un peu plus haut, le sentier devient beaucoup plus agréable en sous-bois. Alors, il est plus ou moins fléché. Petit rond orange, petit fléchage rouge, parfois vert. Ah bah tiens, je suis pas tout seul. Allez, bah je vais poursuivre. C'est très joli ici. Un peu plus haut, on arrive dans des passages plus montagnards et rocailleux, ça devient intéressant. Et sur la droite, on a une vue magnifique sur quelques monts des Bauges. Le Trello. La dent de Pleuven. Le Péclo plus loin, la pointe des Ars, la pointe des Arlicots. Ouais, c'est très joli. On arrive sur l'arête Sobital. Par endroit, il y a quelques formations fossilifères. Un peu plus haut sur la crête, on aperçoit les étangs de l'Echeraine en bas. Là, c'est Margeria avec ses horribles pistes de ski. Et là, la dent de Rossane avec le Colombier. Très jolie vue. Et voici le chaos rocheux qu'il faut traverser pour arriver jusqu'au sommet. C'est très sympathique. C'est très fleuri en ce moment. Quelques jolies orchises. Et voilà le sommet. Tout de suite après le sommet, il y a un petit sentier en raidillon qui descend tout droit à travers la roche, histoire d'éviter les passages impossibles de l'arête.
Ça descend encore un peu. Et ensuite, ça passe dans une sorte de goulotte. Voilà. Puis, à nouveau, un petit passage délicat. Ça passe un peu en dessous. Et ça remonte tout de suite derrière. Encore une fois, méfiez-vous des cordes. Bon, ces passages sont réservés à des montagnards avertis. C'est une petite désescalade qui n'est pas très compliquée non plus. Et la remontée derrière est facile. Après une petite traversée, on arrive au sommet nord. Où déjà ce ne sont plus les mêmes fleurs. On va appeler ça le Rocheret puisque c'est le nom que les gens de Doucy donnent au Mont Julioz de leur côté. C'est très joli le Mont Julioz parce que on est situé dans un endroit où on n'a pas l'habitude. Là on a toute la traversée du Charbon avec la dent des portes et tout au bout la pointe de Bampla. Là, c'est le roc des bœufs et le Semnoz en face. Je vais poursuivre tout le long de la crête. Alors pour ceux qui le souhaitent, on peut descendre. Il y a un sentier qui va au Gaulet de Doucy. Pourvu qu'on se soit garé du côté du mont, un peu plus bas. À ce moment-là, on peut faire un bon tour. Et moi après je vais récupérer un chemin forestier qui descend sur la gauche et qui va me ramener vers le col du Plane où je suis garé. Il y a sûrement des raccourcis pour descendre direct vers le col du Plane. Mais bon, le sentier de crête est tellement sympa et agréable que ça vaut pas le coup de s'en priver. Au bout d'un moment, on rejoint un gros chemin forestier bien glaiseux. Donc évitez quand il pleut. De toute façon, c'est une rando à ne pas faire quand il pleut, vu les rochers. Voilà, on finit par rejoindre le chemin forestier qui va nous ramener du côté du col du Plane. Ce qui est appréciable, c'est que le chemin arrive pile à la voiture. Voilà, c'était une jolie rando quand même. Ça permet de se remettre en forme, ça fait travailler les jambes dans tous les sens.